Son Excellence le Grand Vizir. Sa Majesté le petit pâté impérial Hussein de Jordanie. Son Altesse le Grand Koued. Son Slip Éminence le chef de file de Beyrouth. Attention, tu fermes ton stangle. Voilà le roi de la Gamel Nasser. Bravo, monsieur le ministre. Ignare que vous êtes. La dernière fois, vous avez tapé la conférence au sommet dans la cave, et aujourd'hui, vous avez tous grimpé en haut de la pyramide. Ignare. Silence, vos gueules. L'heure est grave. Messieurs les chefs d'État des Arabes, je vous ai tous réunis après ce coup de Beyrouth que nous avons tous encaissé par derrière, comme d'habitude. Oui, c'est malheureux qu'un pays comme Israël s'attaque à un tout petit pays comme le Liban. Oui, alors, monsieur le chef de Beyrouth, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, nous étions tranquillement en train de prendre le thé quand des soi-disant cinéastes nous ont demandé la permission de tourner un film d'action en deux époques, Baroud à Beyrouth et Deroute à Beyrouth, production Zanuck Zahmer. Et ils disaient même que l'Égyptien Omar Sharif y jouait le rôle de Moshe Dayan. La vérité, moi, j'ai vu ça dans mon visage. J'ai tout de suite pensé que c'était des Juifs parce qu'ils avaient pris des consommations. Limonade gazeuse, ils n'ont pas voulu payer. Ils ont dit, mettez ça sur notre compte, on ne va pas tarder à revenir. Baroud à Beyrouth, 13 avions de détruits. Tout ça parce qu'on avait liquidé un Juif dans leur avion. Vengeance, nous voulons la guerre. Guerre, Nasser, une autre guerre, une autre, une autre, une autre. Il faut les exterminer, c'est tout. Attendez, il faut réfléchir d'abord. Parce que si pour un Juif d'exterminer, ils nous détruisent 13 avions, donc, si on veut exterminer les 3 millions de Juifs, combien qu'il va nous valoir des avions? De Gaulle ne nous donnera jamais tout ça, à moins qu'il en parle au bloc d'assaut. Ou à Rachid Balek, Rothschild, pardon. Nasser, une autre guerre, une autre, une autre. Et voilà, ça recommence, 4e édition. Quel merveilleux peuple, infatigable. Plus on leur fout sur la gueule, plus ils en veulent. Bien sûr, naturellement. Il faut les exterminer, c'est tout. Ça fait 4 fois que je le dis, vous m'écoutez jamais. D'accord, vous dites toujours ça, et après, dès que je déclare la guerre, vous vous mettez à courir, Ahmar. Il a raison, d'accord, Nasser, une autre guerre, une autre, une autre. Bon, mais avant d'attaquer, il faut s'assurer que les Russes y marchent bien avec nous. Y'a qu'à leur faire croire que les Juifs nous ont attaqué, quoi. Très bonne idée. Alors, silence, je vais leur taper un coup de téléphone derrière la tête. Allô? Les Rouges? L'Ours? Le Rossussu, cause la guine, au secours, au secours, criez l'Aldine Makoum, allons. Au secours, elle, au secours. Les Juifs, ils nous ont attaqués. Ils ont franchi la frontière. Ils arrivent, ils approchent du cœur. Ils sont dans la ville. Ils violent nos femmes, ils leur font des enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait, cause la guine? Da, restez calme, soyez patients. Dans 20 ans, vous aurez de bons soldats. Da. Il a raccroché. Oh, oui. C'est comme ça qu'il parle des Juifs. C'est pas catholique, tout ça. Il a des procédés qui sont pas orthodoxes. Chef, c'est qu'on appelait les Chinois à notre secours? Ah, très bonne idée, ça. Allez, passez-moi le téléphone jaune. Ding. Allô, les Chinois? C'est Mao Zedou. Ici, c'est Mao Mitan qui est à l'appareil. Nasser, quoi? Oui, c'est à quel propos? Voilà, c'est-à-dire que j'aurais besoin de votre aide pour exterminer Israël. Israël? Qu'est-ce que c'est? Ben, Israël, c'est des Juifs, quoi. Oui, mais des Juifs, qu'est-ce que c'est? Eh ben, des Juifs, c'est des sales Juifs, c'est tout. D'accord, et combien sont-ils? Ben, ils sont 2,5 millions. Très bien, et dans quel hôtel ils sont descendus? Ils se foutent de notre gueule, celui-là aussi. Ah oui. Allons, brave guerrier. N'ayez pas peur. Silence, fils de chien kabyle. Je réfléchis. Je suis en pourparler avec ma tête. Je pense. Nous avons la France avec nous, grâce au général de Gaulle. Vive le général de Gaulle! Bon, alors passez-moi le téléphone tricolore, please. Allô? Qui c'est qui est derrière le téléphone, SVP? C'est qui, vous savez? Ah, mais respecte-moi, mon général. Voilà, je vais vous taper le coup de spliquement, là, parce que j'ai deux mots à vous dire. Qu'après ce coup de Beyrouth, nous sommes déroutés. Et nous avons besoin de votre aide, parce qu'on n'est jamais trop aidé. Et vous êtes le seul à être pour la paix des races. Si. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux faire encore pour nous contre ces Juifs, là, ce peuple guerrier, dominateur, comme tu as dit? Je peux décréter l'embargo. L'embargo. Qu'est-ce que ça peut me foutre que tu aies un embargo? Embargo! Oui, l'embargo, oui, j'ai compris. Alors moi aussi, j'ai mal à la tête. L'embargo sur les armes.
Ah, sur les arbres. Alors ça y est, les juifs, ils vont pleuvoir les mirages? Non, je vous les donnerai. Ah ouais, mais comment? Alors tu décides ça comme ça? Tu n'as même pas averti le gouvernement ni le parlement. Ça se fait pas, dit-il, en démocratie quand même, hein? Qu'est-ce que c'est les Russes qui t'ont fait tourner Cosaque? À chemin, quoi. Et enfin, je vous ai averti, vous. C'est l'essentiel, non? Bravo, bravo, mon frère. Merci, mon général. Écoutez, que toute la famille va te crier merci. Allez, crier, Nadine comment je vous tranche la gueule. Merci, merci. La France. Jamais personne n'a fait du bien comme ça aux Arabes, même pas dans la Bible. On a l'adime, de Gaulle, c'est notre messie. Eh oui, d'ailleurs, c'est l'opinion biblique, hein. Ah, mais il est très croyant, le type, hein. Il va à la synagogue des catholiques et tout, hein. Mais tu crois qu'il va rester longtemps au pouvoir? Mais bien sûr, d'ailleurs, il a dit, j'ai un mandat du peuple, je ne me retirerai pas. Alors, il a raison, il a un mandat du peuple. Alors, s'il se retire, qui c'est qui va toucher le mandat? Mes chefs, tu crois que les Français vont marcher encore avec lui? Mais bien sûr, puisqu'il a dit lui-même que les Français, c'était tous des veaux. Tu crois qu'ils vont s'entendre avec nous? Mais pourquoi pas? Tu as déjà vu, toi, un conflit entre des veaux et des bourricots? Alors. Merci pour les bourricots, chef. Hein? Mais si nous, on est des bourricots, toi, tu es le roi des bourricots, alors. Ah, mais qu'est-ce que si on lui avait pas déjà coupé la tête dans l'autre disque à celui-là, hein? Dis, gamelle, puisque tu es cultivé, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'embargo? Ah ben d'accord. Alors écoutez, mais l'embargo c'est facile, c'est... Tiens, voilà, par exemple, moi je suis le douanier à l'aéroport de France, hein. Ouais, alors j'annonce au micro, hein. Messieurs les passagers à destination d'Israël, embargoment immédiat. Les voyageurs sont priés de laisser leurs bombes au vestiaire. Bon, alors, mettons, hein, je vois un type avec un très grand nez de juif, comme de Gaulle par exemple, hein. Bon, alors je lui dis... Vous avez rien à déclarer? Il me dit, non, j'ai juste deux cartouches de cigarettes. Hop! Cartouches, embargo! Embargoment sur toutes les armes! Il me dit, mais c'est des cartouches de cigarettes, ça fait rien, je lui dis, c'est des cartouches quand même. Et dites-moi, please, qu'est-ce que vous en avez dans cette valise? Il me dit, oh, ça, c'est un mystère. Alors moi, je lui dis, ça serait pas un petit mirage, par hasard? Allez, embargoment immédiat! Ah! Chef, oui. Voilà la sœur Boumedienne qui vient d'arriver. Ah, toujours en retard. Bonjour, Boumedienne. Nasser, shalom. Pardon, excuse-moi. Bonjour, sœur. Salut, frère. Tu es au courant de l'embargo? Oui, je viens de l'apprendre par nos services secrets à Radio Tam Tam. Hmm. Et puis, il m'a téléphoné de Ktuel. Qui ça? Eh ben, la grande Zora. Ah oui, très bien, très bien. Bon, alors, est-ce que cette fois, on peut compter sur vous pour anéantir Israël? Répondez-moi franchement. Très bien, je serai bref. Bon, alors, on aura le temps de prendre le thé, quoi. Hein? Aujourd'hui, l'Algérie est en plein boom. Dommage qu'on a rendu le Boeing israélien avec les 12 prisonniers. Parce qu'en ce moment, là-bas en Algérie, on se sentait très fort. On avait 12 juifs avec nos hôtes. Ah. Au fait, est-ce que vous avez trouvé une solution pour les commandos de la mort? Ah, mais oui. D'abord, maintenant, ils ont changé d'emblème. Maintenant, c'est vivre pour vivre. Mais malgré tout, hein, dans tous les pays où ils s'entraînent, les juifs, ils cherchent à les tuer. Mais pourquoi que tu casses la tête? T'as qu'à les faire rapatrier en France avec les réfugiés palestiniens aussi. Mmh. De Gaulle, il a l'habitude de rapatrier. Il m'a déjà débarrassé 1,5 million de pieds noirs. C'est très gentil, ça. Mais dis-moi, est-ce que tu as pensé à l'indemniser un peu, le général, pour tout ce qu'il a fait pour toi? Naturellement. Nous faisons beaucoup pour la France dans le cadre de notre politique aide aux pays sous-développés. Ah. Actuellement, nous leur envoyons 36 000 Algériens par an. Avec leur famille, ce qui fait environ 400 000 personnes. Ah, oui. On s'installe gentiment et dans 10 ans, on demande l'indépendance. Les pieds noirs, ils auront enfin ce qu'ils souhaitaient. Ils voulaient l'Algérie française. Et ils auront la France algérienne. La France algérienne. Et bien sûr. Et petit à petit, la France sera un pays civilisé. Civilisé, Nadine française. Même dans le cadre du marché en commun, nous ferons une Europe arabisée. Et voilà, bientôt, on va pouvoir arabiser tout le monde ici, toi. À l'époque, les raisins, ils étaient trop verts, mais maintenant, les melons, ils sont mûrs. Tu as raison, gamelle, d'agir comme ça, c'est normal. Je vois pas où est le mal. Et sur la femelle, quoi. Mais on n'a pas pu lui couper la tête à celui-là, non? C'était trop dur, chef. Il n'était pas coupable. Bon, alors mettez-le sur la chaise électrique. La chaise électrique? Il est en panne. T'étais pas au courant, chef? Non, j'étais pas au courant parce qu'elle était en panne. Silence! L'heure est grave. Maintenant, grâce à l'embargo, nous devons penser à la guerre. En conséquence, moi, la gamelle Nasser, je déclare, l'ennemi juif ne se retirera pas tant que nous ne le forcerons pas par les armes. Il faut qu'ils se rendent compte que nous sommes capables de le repousser comme nous n'avons pu le prouver à plusieurs reprises. Bravo, bravo. Et cette fois,
nous lutterons jusqu'à l'extermination complète du Caire, de Suez, de Beyrouth, ainsi soit-il. Amen. Certes, aujourd'hui nous sommes au bord de l'abîme, mais demain nous ferons un grand pas en avant. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, mes frères, chantons en chœur notre hymne national. 3, 4, 12, 1, 0. Aïe, qui sont bêtes, ces Sarah. Oulala, dis-moi, niquez mon disque. Aïe, 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 aïe.